On va donc changer de topo maintenant. Et je vais appeler Olivier Oberlin, qui va nous parler de la paroi. Alors Olivier, j'ai une petite mention affective pour lui, puisqu'il fait partie des quatre mousquetaires avec lesquels on a commencé à la Croix-Saint-Simon la robotique en 2012. À l'époque, il n'y a rien n'existait, on a tout inventé. On a eu une belle expérience humaine. Et donc, je suis très content que tu puisses parler de la paroi, sujet qui t'est très cher actuellement. Merci beaucoup, Alain. C'est un honneur que tu m'as fait de me faire travailler avec Jean-Pierre Cossa, avec qui on a coécrit ce chapitre. Et puis, c'est un honneur que j'ai aujourd'hui d'être devant mes maîtres pour discuter de ce sujet que je trouve particulièrement intéressant. C'est une chirurgie qui est un peu moins noble que la chirurgie du pancréas, du foie, du côlon, du rectum, qu'on a vu jusqu'à maintenant, et du mésocolique bien sûr, mais c'est une chirurgie qui est plus fréquente et dans laquelle la robotique a une part croissante aujourd'hui. Le plan de mon intervention, l'assistance robotique dans des interventions qui sont habituellement réalisées en célioscopie, les nouvelles procédures pariétoscopiques dans lesquelles la robotique a une place prépondérante, une expérience qu'on avait publiée dans ce rapport de l'AFC de la Société Savante de Chirurgie Pariétale, qui est le Claverny, et puis un petit abord du problème médico-économique sur l'angle de la chirurgie pariétale. Je commence tout d'abord par les hernies de laine, donc, qui est une intervention qui est largement pratiquée. Et il y a un paradoxe, le développement initial de la chirurgie robotique, on l'a connu avec nos collègues urologues principalement. Elle est d'abord, elle s'est introduite et puis elle s'est totalement assise dans le domaine de la chirurgie urologique au travers de la prostatectomie radicale, intervention très difficile à réaliser en célioscopie. Les chiffres qu'on m'avait transmis étaient de 10% d'interventions réalisées en laparoscopie avant l'arrivée de la chirurgie robotique. Et aujourd'hui, aux États-Unis, 90% des prostatectomies sont réalisées à l'aide de l'outil robotique. Donc, on voit que l'outil robotique a permis aux chirurgiens américains de passer le cap de la laparoscopie. Ça, ce sont les courbes, les datas intuitives du nombre de chirurgies pariétales réalisées en chirurgie robotique entre 2010 et 2016. On voit qu'il y a une véritable explosion exponentielle du nombre de procédures en chirurgie pariétale réalisées à l'aide des robots qui étaient en place, souvent dans des structures qui les avaient mises en place pour des programmes multidisciplinaires, principalement basés sur l'urologie. Et cette exponentielle, elle est arrivée au point tel que depuis 2017, l'intervention chirurgicale la plus réalisée dans le monde à l'aide du télémanipulateur robotisé Da Vinci, c'est la cure de hernie de laine sous célioscopie, donc robot-assistée, par voie transpéritonéale. Et c'est comme un paradoxe, puisque c'est une intervention chirurgicale assez simple et qui est relativement peu coûteuse à réaliser, et on a déjà défini toutes les limites de la chirurgie robotique. Il y a une seule grande étude prospective randomisée que je rapporte, qui a randomisé 102 transpéritonéales célio entre robot et célioscopie conventionnelle. La robotique prend plus de temps, on l'a déjà dit, 76 versus 42. La robotique coûte plus cher. Alors il y avait un index qui était intéressant. Ils avaient évalué l'indice de charge mentale du chirurgien pendant l'intervention au travers d'un score qui est utilisé par la NASA pour les astronautes pour vérifier leur état de charge mentale. Donc, l'état de charge mentale du chirurgien pendant la procédure robotique était également plus élevé que lors d'une intervention laparoscopique conventionnelle. Donc il y a ce paradoxe que la chirurgie, la hernie de laine s'est développée, elle a complètement explosé dans le monde, pas en France, mais c'est quand même quelque chose d'étonnant. En y réfléchissant, la cure de hernie de laine en célioscopie, c'est devenu le gold standard. C'est devenu récemment, dans les dernières recommandations de la European Hernia Society et de l'American Hernia Society, c'est devenu le gold standard. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on estime qu'en première intention, un patient se présentant avec une hernie de laine, sous réserve de ne pas être dans un sous-groupe, doit être traité en laparoscopie. En France, aujourd'hui, 32% des hernies sont traitées en laparoscopie. Donc, il reste 68% des patients qui sont traités avec un abord conventionnel, alors que ce ne sont plus les recommandations officielles. C'est vrai que la célioscopie représente une difficulté technique importante, en particulier dans cette chirurgie, et elle expose à des complications potentielles plus graves auxquelles se sont heurtés bon nombre de chirurgiens débutant leur expérience de hernie laparoscopique après des années de pratique de chirurgie hernière ouverte. Et donc, on peut comprendre que beaucoup de chirurgiens ont été échaudés, sont retournés à leur pratique conventionnelle. Ça rejoint le problème de la learning curve précédente de l'expérience de chaque patient.
Et en fait, ce qui se passe aux États-Unis, parce que toutes ces laparoscopies robotiques pour hernie réalisées, bien évidemment dans le monde, elles n'ont pas été réalisées dans des pays comme la France, elles sont réalisées aujourd'hui aux États-Unis. C'est là-bas que toutes ces hernies sont réalisées. En fait, la robotique, elle permet de franchir le pas du mini-invasif. De la même manière que pour la chirurgie de la prostate, la robotique a permis de passer de la chirurgie ouverte à la chirurgie laparoscopique. Robot assisté, certes, mais laparoscopique, et c'est le mini-invasif qui compte là-dedans. Je reprends une phrase qu'Alain, tu prononces souvent, la célioscopie, ça a été une révolution, la robotique, c'est une évolution. On reste dans le domaine de la laparoscopie. Ça, c'est des chiffres très intéressants. Il y a des auteurs qui ont regardé tous les hôpitaux du Michigan, qui ont regardé l'état de la cure de hernie, de toutes les opérations, mais je me suis concentré sur la cure de hernie, avant et après l'apparition d'un robot dans l'hôpital. On voit qu'avant l'apparition du robot dans l'hôpital, il y a 13% de hernies réalisées en cellio aux États-Unis. 74 réalisés en ouvert. Ne me demandez pas où sont les pourcentages restants, je ne sais pas. Et après l'apparition de la chirurgie robotique, après l'apparition du robot, l'arrivée du robot dans l'hôpital, la laparoscopie augmente elle-même, c'est-à-dire que finalement les chirurgiens font plus de robots. Alors il y a 6 ans d'écart, 7 ans d'écart, donc il y a une petite évolution aussi peut-être, mais en tout cas la laparoscopie augmente. Et par contre, la robotique aujourd'hui, dans le Michigan, c'est des chiffres de 2019, c'était dans ces hôpitaux 19% de hernies réalisées en studio. En robot, et donc l'arrivée du robot crée des patients opérés en chirurgie mini-invasive, augmente le nombre de patients opérés en chirurgie mini-invasive en célioscopie conventionnelle, tout ça au détriment de la chirurgie ouverte, donc permet de se rapprocher des guidelines de l'EHS et de l'AHS et d'asseoir l'intérêt de la laparoscopie vers un plus grand nombre de patients. Pour les hernies ventrales, la problématique elle est peut-être un peu différente. On imaginait des avantages potentiels importants avec la laparoscopie robot-assistée, puisque la fermeture du gap, la fermeture de l'orifice hernière dans les hernies ventrales ou les éventrations de la ligne médiane, est d'une nécessité d'après de nombreuses études. Les instruments tangentiels rendent difficile cette fermeture de l'orifice et les instruments robotiques articulés pourraient permettre d'améliorer cette fermeture du gap. Et puis les fixations qu'on utilise pour ces prothèses qui sont traditionnellement en célioscopie positionnées en intrapéritonéale et donc fixées se font avec des tackers, avec des agrafes, des vis qui sont douloureuses et la possibilité de faire des sutures en chirurgie robotique grâce à l'articulation des instruments en évitant le côté tangentiel des instruments de célioscopie conventionnelle doit pouvoir permettre de diminuer les douleurs. Alors, il y a deux études prospectives randomisées multicentriques de très bonne qualité qui ont été publiées en 2020 dans le British Medical Journal et dans JAMA, qui ont comparé robots avec fixation des prothèses en surjet versus célioscopie conventionnelle avec points transfaciaux et tackers métalliques. Et ben, les résultats, c'est qu'il y a une durée et un coût supérieur pour la chirurgie robotique et puis il n'y a pas d'intérêt en termes de douleur. Donc ça, c'était un peu décevant. Donc, l'IPOM, qui est la technique de chirurgie ventrale avec une prothèse intrapéritonéale, qui est la technique de réparation des hernies ventrales la plus répandue aujourd'hui dans le monde de par sa simplicité, elle ne tire pas du tout de bénéfice de la robotique. Par contre, la robotique pour les hernies ventrales, elle permet de retrouver un champ qu'on avait oublié avec la célioscopie, avec cette intervention d'IPOM, qui est le positionnement de la prothèse dans l'espace rétromusculaire préaponevrotique de Rive et Stoppa. L'ergonomie instrumentale tangentielle des instruments, elle rend très difficile cette dissection en célioscopie, puisqu'on va travailler au plafond et on va devoir aller disséquer des plans au travers desquels on vient de passer avec nos instruments robotiques de la paroi. Et donc, on va se retrouver dans une gestuelle extrêmement tangentielle. On avait envie de retrouver cette prothèse intrapariétale à l'intérieur du muscle rétromusculaire plutôt que la prothèse intrapéritonéale. Parce que la fusion de la prothèse est reconnue depuis l'époque de Rive et Stoppa comme étant plus complète à ce niveau-là. Et ça reste le gold standard, ce positionnement rétromusculaire. La célioscopie versus la voie ouverte, c'est quand même moins de risques sceptiques. Et l'apport de cette technique où on va aller faire une dissection, on l'appelait pariétoscopique, hein, qui est un terme un peu nouveau, mais ça va permettre d'éviter également une prothèse intrapéritonéale qui va être au contact du grêle, qui est censé être anti-adhérentiel, mais l'expérience montre que les adhérences sont quand même relativement présentes. Et puis, en positionnant une prothèse en intramusculaire, en rétromusculaire préaponevrotique, la prothèse elle est relativement stable dans une paroi qui a été reconstruite,
Et donc, on peut probablement s'affranchir des tacheurs et des fixations qui sont douloureuses. Et puis enfin, la stélioscopie qu'on peut faire avec cet abord rétromusculaire, elle garde ses intérêts cosmétiques. Alors, il y a deux grandes techniques que je vais développer, qui sont la VTEP, qui est une pariétoscopie pure. Dans la VTEP, on va aborder l'espace rétro-rectal en se positionnant directement dans la paroi. Les trocars vont rester dans l'épaisseur de la paroi. Alors là, on va effectivement limiter la difficulté tangentielle. C'est pour ça que c'est éventuellement faisable en stélioscopie. C'est faisable en stélioscopie. Et le robot, il a quand même trouvé tout son intérêt. Dans ces chirurgies de rive et stopa mini-invasive, on va dire, de rive et stopa sous stélioscopie, le principe global, ça va être la connexion des deux espaces rétromusculaires. On voit ici sur la gauche que la caméra peut être mise au niveau de l'axiphoïde avec des bras stélioscopiques ou robotiques d'ailleurs qui seront de part et d'autre, et on va faire une VTEP descendante en se rapprochant de l'ambilique. À l'inverse, on peut faire une VTEP ascendante en positionnant les premiers trocars dans la région suspubienne et en allant disséquer en arrière de la gaine des droits de bas en haut, ou bien des VTEP latérales en allant se positionner dans la gaine du droit latéralement et en cheminant vers la ligne médiale avant de faire communiquer les deux espaces, d'avoir une grande dissection rétromusculaire préponeurotique. Voilà une vue de VTEP axiale, qui est l'expérience de Jean-Pierre Cossas, qui a une très grande expérience de cette chirurgie, où dans cette VTEP axiale, donc, on voit ici la gaine des droits à gauche et la gaine des droits à droite, et ces deux gaines des droits ont été fusionnées l'une à l'autre. Alors avec un artifice que Jean-Pierre et ses associés ont remis encore plus au goût du jour, qui est un agrafage section avec une pince de type GIA habituelle, qui permet de rapprocher les deux gaines l'une de l'autre, et puis d'avoir une section conjointe en un seul geste. Une fois les deux gaines largement ouvertes et communicantes, le défect herniaire qui se situe vers le bas ici est fermé à l'aide d'une suture qui est faite en chirurgie robotique, avec l'intérêt de la robotique pour faire des coutures en stélioscopie. Et puis la grande surface libérée est complétée par la mise en place d'une prothèse qui permet d'avoir la prothèse dans ce bon espace, rétromusculaire préponiculaire de rive stopa, avec le positionnement classique où doit se trouver cette prothèse. Et l'autre voie d'abord, on va dire que la VTEP, c'était un peu la TEP, pour ceux qui font beaucoup d'hernies sous stélioscopie, c'était un peu la TEP. Et là, on va être plutôt sur ce qu'on peut appeler la VTAP, la transpéritonéale. L'acronyme, les chirurgiens de la paroi aiment beaucoup les acronymes. L'acronyme, c'est un qui a été popularisé par Philippe Mussens, qui est un Belge qui a beaucoup travaillé là-dessus. C'est TARUP. Alors, TARUP, je trouve que c'est un terme un peu trompeur, parce que dans la TARUP, il n'y a pas de TAR, il n'y a pas de transverse abdominal release, comme les chirurgiens pariétaux l'appellent. TARUP, ça veut dire transabdominal rétrorectus ambilicus prothesis. Ça va consister à aller ouvrir, à aller travailler exactement dans le même espace que l'espace de la VTEP, mais en ayant un abord latéral et en commençant en transpéritonéal. Donc on va faire une stélioscopie conventionnelle avec trois trocars qui sont classiquement dans le flanc gauche. Et puis comme l'illustrent les schémas ici, on va progressivement cheminer dans l'espace rétromusculaire jusqu'à la gaine contralatérale par un abord qui est fait au bord latéral de la gaine. Ça, c'est autorisé. Je trouve que ce schéma, moi, je l'aime bien ce schéma parce que peut-être que certains d'entre vous n'ont pas, ont commencé à voir des vidéos de chirurgie robotique, mais elles comparent bien la rectitude des instruments et leur côté tangentiel quand on arrive sur la paroi par rapport à l'articulation des pinces de chirurgie robotique. Et l'aisance de ces pinces permet de faire cette chirurgie de TARUP, d'aller retourner dans la paroi alors qu'on vient de la paroi, ce qui est extrêmement difficile à faire en stélioscopie. Et par ailleurs, on va voir qu'il y a une suture qui est transversale par rapport à l'axe des instruments. Et faire une suture transversale à l'axe des instruments quand on a des instruments qui sont droits, c'est quelque chose qui est quasiment impossible et qu'on va pouvoir réaliser grâce à l'articulation des instruments. C'est l'endo-wrist dont on a parlé tout à l'heure. Donc voilà la première étape de la TARUP, qui consiste à une incision latérale de la gaine du muscle grand droit homolatéral à la mise en place des trocars, un cheminement rétromusculaire jusqu'au bord interne, jusqu'à la ligne blanche, en général dans l'épaisseur du ligament rond, une réduction du défect herniaire, une suture des deux aponevroses antérieures des droits, une ouverture de la gaine des droits contralatérale, le positionnement de la mèche en rétromusculaire, et puis la fermeture de l'entrée de la zone de dissection. Alors, j'ai un petit film qui dure 1 minute 30.
Olivier. Qui consiste à... Donc on ouvre la gaine, homolatérale. Je vois que le temps m'est compté. Oui. On dissèque la première, aponévrose postérieure. On arrive sur la ligne blanche. Alors là, on passe dans l'épaisseur du ligament rond, en arrière toujours d'un minime diastasis existant. Et puis on ouvre la gaine contralatérale. On va ainsi pouvoir disséquer toute la région prépéritonéale. Dans l'espace rétromusculaire, on réduit la hernie. On finit d'ouvrir toute la région rétromusculaire. Et on va pouvoir faire cette raphie antérieure qu'on faisait dans le rivestopa à la fin, en partant, après avoir mis en place la prothèse. Cette fois-ci, la raphie, on la fait donc au plafond. Alors là, l'articulation des instruments est absolument impérative pour faire une suture qui va rapprocher totalement la gaine. Et on note par ailleurs que ça permet de rapprocher le diastasis qui est souvent associé à ces hernies dans leur globalité. On déroule un filet qu'on utilise, volontiers un filet auto-agrippant, mais ce n'est pas forcément impératif. Ce n'est pas de la vitesse réelle non plus. Hein. Et puis, on va fermer la gaine par laquelle on est arrivé avec une suture qui sera toujours extrêmement difficile à faire en celluloscopie conventionnelle et qu'on va pouvoir faire sous celluloscopie. On peut envisager des traitements encore plus larges avec des techniques de séparation des compartiments postérieurs avec des expériences qui sont rapportées, qui sont très intéressantes, où on va devoir faire un double docking. Là, les trocars sont mis de l'autre côté. On va disséquer la gaine du muscle grand droit contralatéral à la mise en place des trocars jusque dans le flanc gauche, dans le flanc contralatéral. On va positionner les trocars robotiques dans le flanc contralatéral et on aura donc fait toute une dissection avec un transversus abdominal release. On aura sectionné la ponévrose postérieure de sorte qu'on se positionne dans le plan prépéritonéal latéralement. C'est la tare. En changeant de côté, on va pouvoir faire le même geste en contralatéral. On va avoir une suture des deux aponévroses postérieures et du plan péritonéal latéralement, avant de finir par une suture au plafond avec mise en place d'une grande prothèse au milieu. Cette tare, elle a montré, comme on en a déjà parlé, une réduction des durées d'hospitalisation. Les expériences sont préliminaires, il y a quelques équipes qui ont fait ça, mais il semble qu'on ait une réduction des durées. Il est certain qu'on a une réduction des durées d'hospitalisation et que ça fait que la technique devient économiquement rentable si on regarde ça d'un point de vue macroéconomique. Donc pour la chirurgie des hernies ventrales, il y a un véritable intérêt à la chirurgie robotique. Ça, c'est l'extraction de la base du club hernie qu'on a fait en décembre 2020, une étude qui avait montré que 205 procédures avaient été réalisées en chirurgie robotique sur les hernies ventrales par 11 opérateurs. Ça rejoint les problèmes déjà évoqués de nécessité de registre pour ces chirurgies. Et le club hernie, en tant que société savante de chirurgie de la paroi, a eu à cœur, avec une certaine participation intuitive, d'essayer de fédérer les chirurgiens qui se lançaient dans cette chirurgie qui était un peu expérimentale, pour que les données soient colligées au sein de la base du club hernie, qui regroupe aujourd'hui 20 000 hernies inguinales et 15 000 hernies ventrales, j'ai regardé les chiffres hier. Et donc, il paraît logique d'incrémenter cette base avec toutes les données robotiques. On voit que c'est de la pratique courante, hein, c'est les chirurgiens qui rapportent leurs patients, 28,5 IMC moyen, autant d'hommes que de femmes. On voit que les chirurgiens qui sont tous en début d'expérience portant n'ont pas eu peur de se heurter à quelques difficultés, puisqu'il y a 50% d'éventrations, quelques éventrations péristomiales même, ou parastomiales. La taille du défect, elle n'est pas négligeable, hein, ça va en moyenne 3,6 x 4,4 cm, principalement des éventrations médianes, une durée opératoire qui est très longue, 145 minutes, effectivement, ça rejoint une réparation beaucoup plus complète, on ne se contente pas d'aller coller une prothèse au plafond, on fait une vraie dissection de toute la paroi, on fait une vraie reconstitution de la paroi abdominale, une reconstitution anatomique, et ça prend beaucoup plus de temps, en plus de la mise en place d'un programme robotique, de l'expérience qui aujourd'hui est débutante. C'est vrai qu'on a 10 ans d'expérience de chirurgie robotique en chirurgie digestive en France, et évidemment, ça sera amené à baisser. Des incidents péropératoires qui ont été rares, des taux de conversion qui ont été faibles, moins de 3%, alors qu'on est en début d'expérience sur des chirurgiens qui n'avaient pas tous une importante expérience de la chirurgie robotique. Une position de prothèse dans 95% des cas rétromusculaires. Donc, on voit que les chirurgiens qui ont rentré leurs patients dans cette base, qui ont débuté leur expérience, avaient vraiment ce souhait, non pas de reproduire la technique d'IPOM ou une technique laparoscopique conventionnelle, mais ils avaient vraiment le souhait d'aller retrouver cet espace de rivestopa, cet espace rétromusculaire, pour refaire une réparation de paroi qui soit conforme à l'idée qu'on se fait d'une bonne réparation pariétale. Et pas de fixation de prothèse dans l'immense majorité des cas, avec des prothèses auto-agrippantes utilisées dans beaucoup de cas. Les durées moyennes de séjour, elles ont été faibles malgré ça. Donc, c'est beaucoup de patients, c'est quand même des vraies hernies. Et les durées moyennes de séjour, on voit qu'elles sont très faibles, c'est 1,52 jours. Donc, c'est
51 patients en ambulatoire, 28% en ambulatoire. On peut penser que les chirurgiens étaient un peu réticents. Ils ont passé beaucoup de temps en bloc opératoire, mais il faut imaginer qu'il y a une marge de progression très importante. Et il y a quelque chose qui nous a semblé très intéressant, c'est qu'on a tout de suite eu l'impression que les patients avaient moins mal. Alors même qu'on démontait complètement la paroi, par rapport à une chirurgie d'IPOM où on se contente de coller un timbre au plafond avec des agrafes, les patients avaient beaucoup moins mal. Une EVA à J0 qui est de 2,91%. Je vous ai montré tout à l'heure les deux études prospectives randomisées américaines où ils comparent l'IPOM en Célio versus robot. Les EVA à J1 dans cette série, elles sont de 5 et de 5 dans les deux groupes. Nous, c'est la base du Club Ernie où tous les patients colligent la douleur à J0. L'EVA moyen, il était à 3,3. Donc on a eu ce sentiment que par rapport aux IPOM qu'on avait l'habitude de faire, les patients avaient beaucoup moins mal alors qu'on fait un geste beaucoup plus large. Et c'est un fait qui nous a semblé extrêmement intéressant. Peu de complications sévères et une douleur au bout d'un mois de 0,77 en moyenne, donc très peu. Ça nous a amené à vouloir engager un travail qui soit plus profond et de développer une étude dont j'ai l'honneur d'être le coordinateur principal, qu'on a appelé Lovers pour laparoscopique only, donc les IPOM, versus robotique sublet. Donc l'idée est de comparer les prothèses qui seront mises en laparoscopie conventionnelle au plafond sur la technique d'IPOM, only, mais le only est en dessous, on pose dessus, mais on arrive en cœlioscopie, donc c'est pas de l'only habituel d'ouvert, versus du robotique sublet, donc rétromusculaire, préapolémotique, robotique. C'est une étude qui est non randomisée, qui est réalisée en soins courants et qui est coordonnée et hébergée par le Club Ernie, donc avec les deux bras dont je viens de vous parler, avec le critère de jugement numéro 1 qui sera la douleur à J1. Et on a fait un calcul d'effectifs pour penser qu'on devrait pouvoir atteindre, comme on pense que la différence sera de peut-être pas de 45% comme trouvé dans les chiffres pour l'instant, mais d'au moins 30%, avec 69 patients, on devrait être capable de montrer une bonne différence. Alors, c'est que des centres qui ont déjà l'expérience, qui ont déjà inclus des patients là-dedans pour éviter les effets de learning curve dont on a beaucoup parlé. Et donc, il y a 9 centres qui ont commencé à inclure depuis 2 semaines. Est-ce que j'ai le temps d'aborder un peu le problème médico-économique? On l'a déjà vu. Une minute. L'achat de la machine 1 à 2 millions sur X années, ça dure. La maintenance, 100-150 000 euros par an. Si on fait 300 procédures par an pendant 10 ans avec une machine, ça, c'est un robot qui tourne bien dans un hôpital. Un robot qui fait 300 procédures par an sur 10 ans, il a bien tourné. Ça fait 1,5 million de machines. La machine, elle est à peu près bonne achetée au bout de 10 ans. Et 1,5 million d'entretiens, fois 3000 procédures, ça fait 1000 euros de surcoût par intervention. Mais ça, c'est l'amortissement de la machine. Quand la machine, elle est là parce que elle est utilisée par un plateau pluridisciplinaire, le problème médico-économique, il ne va pas concerner que la hernie. C'est une somme. Par contre, Jean-Pierre Cossa a beaucoup travaillé sur les coûts fixes par intervention qui ne dépendent pas de l'amortissement de la machine. Et en fait, on se rend compte que, d'une part, les instruments de robotique coûtent cher et avec un surcoût de près de 900 euros par procédure par rapport à une cœlioscopie conventionnelle, mais que si on prend en compte l'absence d'agrafage, si on prend en compte l'utilisation de prothèses qui sont des prothèses beaucoup plus simples, qui sont des filets simples et non plus des filets anti-adhérentiels, on voit que le delta diminue beaucoup puisque des cœlioscopies conventionnelles peuvent atteindre des sommes de l'ordre de 865 euros à comparer à 941 euros. Donc, on est finalement dans des zones qui sont tout à fait proches. Ça ne prend pas en compte le temps d'occupation de salle en début d'expérience qui, effectivement, est supérieur, qui faut peut-être incrémenter à ces coûts-là. L'amortissement de la machine, c'est un choix d'établissement pluridisciplinaire, comme je le disais. Le consommable pour l'hernie ventrale, c'est plus ou moins compenser le coût. Mais il y a vraiment des économies à attendre. Ça, c'est ma conviction profonde. En termes de santé publique, la diminution des douleurs, la diminution des DMS qu'on ne prend pas forcément en compte, la diminution des arrêts de travail, la disparition des sepsis quand on fait une rémontration par un abord mini-invasif par rapport à un abord conventionnel, tout ça, c'est des économies qui seront considérables. Et donc, je pense que le problème médico-économique, il existe. Il faut être très vigilant. Intuitive n'est certainement pas une entreprise philanthropique. Et elle travaille plutôt sur le modèle d'Apple que sur celle d'Emmaüs. Mais il faut quand même imaginer qu'il nous amène un progrès qui, aujourd'hui, nous permettra probablement demain de faire une chirurgie qui sera plus efficiente. Et puis, c'est vrai qu'on en avait parlé avec Jean-Pierre Cossa. C'est quand même assez interrogeant le fait que des données purement économiques devrait aujourd'hui limiter le choix de nos développements, de nos techniques chirurgicales. Ça, c'est un grand sujet. Je vous remercie. Merci Olivier. En fait, tu soulèves le débat qui est récurrent, c'est le coût. Donc, pour toi, en fait, il faudrait pouvoir tout dépenser, quoi. La science n'a pas de prix. La science n'a pas de problème. C'est quand on a des techniques dont on a l'impression qu'elles sont extrêmement prometteuses, on peut regretter qu'en France, le prix soit un obstacle ferme et définitif au développement. Ce n'est pas le cas dans d'autres pays.
le développement de la chirurgie celluloscopique des hernies conventionnelles aux États-Unis est probablement un modèle extrêmement différent, dans un univers extrêmement différent, mais que je trouve qui amène à avoir une certaine réflexion sur les dogmes, les choses arrêtées. Les chirurgiens interrogés dans la série de l'AFC qui trouvaient que la chirurgie robotique n'avait aucun avenir de manière formelle du fait purement du coût, se positionne dans un environnement qui est amené à changer. Enfin, je te taquinais, Jean-Pierre, quoi, ça a quelque chose à dire. Oui, je vais défendre un peu Olivier, parce qu'effectivement, la science n'a pas de prix, mais mettre le prix, ça fait avancer la science, comme beaucoup de choses d'ailleurs dans la vie. Aux États-Unis, Olivier vous l'a dit, la hernie inguinale est la procédure robot la plus réalisée de toutes les interventions robotiques. Le prix à payer est évidemment cher, mais le bénéfice, c'est que l'implantation des procédures mini-invasives s'est faite aux États-Unis, dans un pays où, classiquement, toutes les hernies inguinales étaient réalisées en voie ouverte. C'est-à-dire que le robot a été un outil de vulgarisation, exactement comme pour les prostatectomies, de diffusion d'une technique mini-invasive. D'évolution dans le ventral, on est en train de reconquérir l'espace rétromusculaire qu'on avait perdu au profit de l'IPOM. Et puis, je voudrais juste conclure ce court aparté en disant que finalement, la robotique s'illustre particulièrement dans le domaine de la chirurgie pariétale, puisque d'emblée, nous nous appuyons sur un registre d'évaluation et que c'est évidemment l'outil qui doit guider la progression de la robotique dans les années à venir. Oui, je crois que ça vaut pour conclusion. En fait, c'est vrai que là, on est vraiment dans le presque un oxymore, c'est-à-dire la hernie inguinale. Qui imaginerait, il y a quelques années, qu'il fallait que ce soit la laparoscopique soit le gold standard, encore moins maintenant de la robotique. Ça en fait sursauter plus d'un, je pense. Et pourtant, c'est l'axe c'est l'orientation qui est en train de se faire. Dans un environnement très spécifique qui est celui de la santé américaine qui a ses défauts. C'est totalement incomparable avec le modèle français. On a la chance, je crois, en France d'avoir vécu avec beaucoup de contraintes et vous l'avez vécu avant moi qui suis arrivé après. Mais, ils sont riches. En Suisse également, effectivement, il y a des expériences en Suisse. Mais on a eu la chance d'avoir des. J'ai eu la chance de vous avoir comme maître qui avait défriché le terrain de la laparoscopie et qui avait formé depuis longtemps. Et moi, j'ai appris la hernie celio très jeune, alors que vous l'avez découvert en cours de carrière probablement. Et ça nous a donné, je pense, un avantage considérable par rapport aux chirurgiens américains qui, on le voit, sont beaucoup moins laparoscopistes que nous. Et c'est, je pense, une problématique aussi qui doit exister dans le cancer colorectal où la proportion de cancer colorectal opéré en celluloscopie aux États-Unis n'est pas la même qu'en Europe. Et cette expertise fait qu'on a une pénétration qui est moins nette du robot et ça rejoint ce qui a été dit tout à l'heure sur la chirurgie laparoscopique pour la chirurgie colorectale. Un très bon chirurgien colorectal, le delta, l'amélioration, le gain qu'il va avoir avec un robot n'est pas très important. Et de même qu'un très bon urologue qui fait très bien la prostatectomie radicale en celluloscopie conventionnelle, il ne va pas avoir un avantage énorme avec la chirurgie robotique. Par contre, celui qui ne sait pas la faire parce qu'il l'a fait en ouvert habituellement et il va pouvoir avoir un accès à cette chirurgie qui aujourd'hui a quand même très largement démontré son intérêt dans la majorité des... Dernière question. Je vais être un peu provocateur, mais enfin c'est bien la première fois que les chirurgiens s'occupent du coup. Quand la chirurgie laparoscopie qui est arrivée par rapport à la chirurgie ouverte qui coûtait beaucoup moins cher, on a parfois entendu ces problèmes de coût, mais pas tellement, et qu'on utilise le problème de coût alors que la plupart des gens ne s'en occupaient pas du tout il y a 15 ans, il y a 20 ans, il y a 30 ans. Le problème de coût n'existait pas. Et donc, ça, il faut aussi garder un certain souvenir de ce qui s'était passé avant. Et je pense que votre topo est tout à fait remarquable. Et le problème de coût, il est avancé par des gens qui ne veulent pas bouger leurs habitudes. Parce que les rares études qui ont été bien faites ont montré que probablement c'était pas aussi important. Et puis deuxièmement, on sait très bien qu'avec la multiplication des robots, les coûts vont baisser parce que intuitive et de marché et entraîne des coûts supérieurs et le coût des instruments et tout ça est un petit peu scandaleux. Mais donc tout ça c'est conjoncturel.
Oui, tout à fait. Ben, on va donc passer à l'avant-dernier topo. Merci, Olivier.